Vous êtes éditrice et membre de la collective de la revue Amazon d'hier, lesbienne et d'aujourd'hui. Oui. Vous êtes, je pense, une des membres fondatrices à l'époque. Pas vraiment. Je suis arrivée vers les années 84 où j'ai commencé à entrer les textes, là. Mais je ne suis pas vraiment dans la collective. Et maintenant, on est seulement deux, dont une qui fait partie de l'équipe de fondation. La revue existe depuis 1982. Vous venez de faire le lancement à la librairie Femmes de parole du numéro du mois d'octobre 1996 qui s'appelle « La contestation de la famille ». J'aimerais que vous m'expliquiez les raisons qui vous ont amené à choisir ce thème-là. C'est qu'en 1994, l'ONU a déclaré l'année 1994 comme l'année internationale de la famille. Et moi, ça m'a un peu fait peur parce que j'ai compris qu'il allait avoir comme une machine de propagande pour valoriser la famille. Et j'ai voulu contribuer à ma façon avec mon analyse et l'analyse d'autres lesbiennes sur ce sujet-là que je savais qu'il allait valoriser, mais pas de la même façon. Donc, j'ai comme voulu faire quelque chose de concret, de matériel pour analyser cette institution-là. Parce que la revue, finalement, c'est une revue d'information et de réflexion politique qui est produite par des lesbiennes radicales. Tous les textes ne sont pas nécessairement produits par des lesbiennes radicales, mais le mien, entre autres, et quelques autres, sont avec une réflexion de lesbianisme radical. Danielle Chagnon, vous êtes une des collaboratrices du numéro de la contestation de la famille et vous avez travaillé à faire un texte sur le syndrome des faux souvenirs. Qu'est-ce que c'est, ce syndrome? Le syndrome des faux souvenirs, en fait, c'est parti il y a à peu près, ça a commencé il y a environ 3 ans, aux alentours des années 93, 92, 93. Et puis, c'est que ça remet en question, c'est basé sur le fait que les survivantes d'inceste ne peuvent pas vraiment avoir oublié les souvenirs d'inceste ou les souvenirs des agressions qu'elles ont subies. Et en fait, que c'est leur thérapeute qui leur a implanté ces souvenirs-là. Dans leur mémoire, en fait, qui ont provoqué ces souvenirs-là, et que les survivantes, en fait, sont les victimes de ces thérapeutes-là et de ce que les tenants du syndrome des faux souvenirs appellent l'industrie des agressions sexuelles et qui promouvoit justement le fait que, bon, il y a de plus en plus de survivantes d'inceste et puis que tout ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est basé sur des thérapeutes qui suggèrent. C'est basé sur le fait, sur la suggestion que les thérapeutes font à aux personnes qui vont les voir. Et vous, vous faites la critique de ça de façon assez claire dans votre article. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de cette critique-là. Bien, moi, ce que j'en fais comme critique, c'est que je vois dans ce syndrome des faux souvenirs-là une stratégie de la droite pour questionner ce que les survivantes d'inceste disent et pour mettre en question tout ce que les survivantes avaient commencé à dire, c'est-à-dire que depuis quelques années, bon, on avait commencé à en parler avec les thérapies, avec les féministes, avec le féminisme a beaucoup aidé, par exemple, à mettre ça sur le tapis, à voir qu'il y avait quand même beaucoup d'agressions sexuelles dans la famille. Et puis, les tenants de ce syndrome-là, je pense, ont mis ça en place pour discréditer tout le discours des survivantes d'inceste et mettre ça en question et dire non, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Et dans votre critique, vous dites que ce ne sont pas les femmes ou les lesbiennes qui sont incestuées qui sont critiquées, mais plus leurs thérapeutes. Beaucoup de livres qui ont été écrits par des féministes, par exemple. Ce sont beaucoup les féministes et les thérapeutes qui ont une optique féministe qui sont critiqués là-dedans. Et puis ça, c'est fait, je pense, parce qu'on voulait... l'idée derrière ça, c'est de ramener dans le giron familial les survivantes d'inceste. Et puis si on s'était attaqué avec elles, attaqué directement à elles, on n'aurait pas pu faire ça. Ce qui fait que là, on dit, c'est la faute des thérapeutes, c'est la faute des féministes. Les filles ou les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles sont aussi victimes de ces thérapeutes-là, dans le fond. Ils sont des victimes, elles aussi, ce qui fait que c'est plus facile de les ramener dans les familles. Votre prochain numéro, ce sera le thème « Les militances des lesbiennes ». Qui peut collaborer à à votre revue? Bien, j'invite toutes les lesbiennes qui ont quelque chose à dire par rapport à ce sujet-là. Ce que je veux faire, c'est répertorier et analyser où sont les lesbiennes, parce qu'on sait qu'elles sont un peu moins visibles, elles militent un peu moins. Donc, celles qui militent, où elles sont, qu'est-ce qu'elles font et le pourquoi de leur choix
de militance. Si elles veulent participer à votre prochain numéro, on s'y prend de quelle façon? Vous pouvez me faire parvenir ça, donc à l'attention d'Amazon, qui est avec, à l'adresse case postale 1721, succursale Place du Parc à Montréal, et le code est le H2W2R7. Merci, Mme Coulombe. Ça me fait plaisir.